84. Genèse 24, du verset 1er au verset 9, et nous lirons aussi le verset 55 au verset 58. J'ai lu dans Genèse 24. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Amen. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je t'ai ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel est Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. » Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Amen. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Verset 55 à 58. Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. » « Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Seigneur notre Dieu, toi le Dieu d'Abraham, notre Père, Amen. Tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, d'Israël le prince. C'est toi que nous servons en ces lieux. Tu es un Dieu véritable, le grand Elohim. Toutes les idoles sont sous tes pieds, Seigneur. Oh Dieu, tous les autres esprits se prosternent devant toi, car tu es le Père et le Maître des esprits. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux soit mis sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à tout esprit, ô Dieu d'indifférence, de distraction, d'envoûtement, ô Dieu, que cela puisse quitter cet endroit. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, libère ta parole, ô Dieu. Pour sauver un homme, tu as besoin d'un homme. Amen. Pour guérir un homme, tu as besoin d'un homme, ô Dieu. Pour parler à un homme, tu as besoin d'un homme encore aujourd'hui. Seigneur, nous nous abandonnons tous à toi. Daigne encore nous parler. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bénis la lecture de ta parole ainsi que son audition. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Notre prédication d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Voici l'agneau de Dieu ». C'est ça le titre de notre prédication. Amen. Amen. J'ai suivi la prédication de Frère Goshen le dimanche passé. Je pense que le titre c'était « L'année des jubilés ».
C'était quoi? Les retours, pardon, et les jubilés. Amen. Que Dieu bénisse ses frères Goshen. C'était tellement bien. Amen. Le jubilé pour nous, les chrétiens, c'est la liberté. Le jubilé, c'est la victoire. La victoire pour les croyants. Le jubilé, pour nous, c'est la délivrance. Amen. Quand un homme était vendu en esclavage auprès de son maître, cet homme-là devait rester pendant quelques temps chez son maître jusqu'au jour. Ce qu'on appelait l'année de jubilé. Et en ce jour-là, l'homme était libre de décider s'il pouvait, il devait rester chez son maître ou il devait partir. Parce que l'homme était un esclave. Il n'avait pas de droit. Il n'avait pas de liberté. Amen. Est-ce que vous voulez prêcher avec moi? Amen. Je sais que vous me suivez, mais ne soyez pas aussi comme dans un cimetière. Amen. Agapao. Agapao yaba santo. Amen. Amen. Moi, quand dans mon église, je vois les gens dire, ne pas dire Amen, je dis, mais est-ce que vous avez péché? Amen. C'est ça la question que je me pose. Parce que la seule chose qui nous rend apaisés, c'est le péché. Amen. Amen. Que Dieu bénisse maman Deline. C'est ça la seule chose. Amen. On peut suivre la parole tout en disant Amen. Nous, ça ne nous dérange pas. Amen. Amen. Vous savez, une femme, une voisine de frère Branham était venue un jour dans Branham Tabernacle. Amen. Le frère Branham était en train de prêcher, les gens étaient calmes. Alors quand les bonnes choses ont commencé à tomber, yes, les gens ont commencé à dire Amen. 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 Et cette femme-là a pris son sac, elle est sortie, elle est partie. Quand le frère Branham est retourné chez lui à la maison, la femme est allée le voir en lui disant, Billy, tu m'avais invité dans ton église, j'étais venu. Mais à un moment donné, je n'ai pas pu supporter. J'ai pris mon sac et je suis parti. Le frère Branham me dit, c'était en ce moment-là. Que Dieu était en train de parler. Amen. Amen. Parce que les gens disent, donc, comment on va écouter la parole? Les frères Jean-Méni là-bas dérangent. Les frères André là-bas, non, ils ne dérangent pas. Amen. Quand ils disent Amen à la parole, c'est le bon moment. Amen. Amen. Hey. Nous ne sommes pas dans l'église catholique. Non. Où il y a la froideur de la morgue. Amen. Amen. Non. Nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Et être l'épouse, c'est une grâce spéciale. Amen. Amen. L'épouse est différente des églises. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre ici ce matin? Amen. Les retours et les jubilés. On nous a prêché les retours et les jubilés. Donc vous n'êtes pas encore retourné. Amen. Vous êtes toujours là-bas. Non, non. Amen. Quand on retourne dans sa patrie, amen, comme le prophète dit, que Israël ne sera jamais béni en dehors de sa patrie. Amen. Amen. Mais quand Israël retourne dans sa patrie, mais c'est le jubilé, non? Amen. Amen. Et quand il y a les jubilés, il y a des cris de joie. Amen. Il y a des amen. Il y a des alléluia. Il y a des gloires à Dieu. Amen, amen. Amen. Ah, j'ai vu comment le pasteur Salem a prêché le dimanche chez nous. Aïe, 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 c'était terrible. C'est vos amen qui nous font prêcher. Amen. Le pasteur Salem n'avait pas de brochure. Il avait la brochure dans son cœur. Amen. Quand il a commencé à prêcher, les fous de Christ sont venus jusqu'à des vases. Amen. Vas-y, pasteur. Amen. Enlève les gants. Amen. Le pasteur a regardé et dit,
Ses frères les appellent comment? On lui donne le nom du frère, il dit, frère, que Dieu te bénisse. Amen. Parce que le pasteur a senti que non, il ne peut pas prêcher dans une monde. Amen. Non. Même un grand prédicateur, le frère Branham dit Jésus, avec les grands dons qu'il avait, mais là où on ne croyait pas en lui, Jésus n'a fait aucun miracle. Amen. Amen. Aucun miracle. Amen. Lui qui était Dieu. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur. Nous croyons que nous sommes retournés maintenant. Amen. Dans notre pays, le message de l'air. Amen. Et Dieu veut nous présenter son agneau. Amen. C'est ça le titre de ma prédication. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dans Jean chapitre 1er, au verset 25 à 37, là c'est des bases que nous voulons poser. Jean chapitre 1er, verset 25 à 37. La Bible dit ceci. Jean, je suis où? Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Amen. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël, amen, amen, que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. Jean vit l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, amen, amen, et s'arrêta sur lui. Alléluia. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Les disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Quand on est esclave quelque part, on n'est pas libre, on n'a pas de droit. Amen. Amen. Alors le temps des jubilés, quand les jubilés arrivent, quand vous écoutez le son de la trompette, c'est le moment où vous devez tout laisser. Amen. Abandonner tout le travail que vous étiez en train de faire. Amen. À cause du son de la trompette que vous avez entendu. Amen. Et l'homme qui refusait d'écouter le son de la trompette, la Bible dit qu'il était poinçonné dans son oreille. Amen. Au prochain jubilé, cet homme-là ne pourrait jamais plus être affranchi. Amen. Mais je vais vous parler maintenant de celui qui avait écouté le son des jubilés et qui a abandonné tout le travail qu'il faisait. Amen. Parce qu'il avait compris qu'il y avait un changement de propriété. Amen. Il n'était plus l'esclave de son ancien maître. Amen. En ce moment, en écoutant le son de la trompette, il y a un changement de propriété. Amen. L'esclave est libre. Le frère Madame a dit le péché avait placé Adam, amen, amen, dans une maison de prêt sur gage. Amen. Alléluia. Amen. Adam était placé dans une maison de prêt sur gage. Dans la prédication imitation du christianisme, au paragraphe 61-66,
Je n'avais pas la brochure, on m'avait promis de les mettre sur les tableaux. Amen. Quand Adam avait péché, il était placé dans une maison des prix sur gage. Amen. Adam ne pouvait plus faire valoir ses droits. Amen. Le même Adam qui avait le pouvoir incontestable, Amen. Le pouvoir de l'infaillibilité, Amen. Tout ce que Adam disait, oui. Dieu le signait par un Amen. Amen. Quand Adam appelait les lions, les lions venaient se courber devant Adam. Amen. Quand Adam pouvait parler à la tempête écoutait et obéissait à Adam. Amen. Mais après le péché d'Adam, le frère Adam me dit que Adam était mis dans une maison de prêt sur gage. Amen. Adam n'avait plus le pouvoir. Adam n'avait plus le droit. Pense qu'il avait aussi changé de propriété. Amen. Amen. Ma pensée dans cette prédication, c'est voici les propriétés. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Amen. De qui êtes-vous la propriété? Amen. Est-ce que vous êtes la propriété de Dieu ou vous êtes la propriété de quelqu'un d'autre? Amen. Si vous n'êtes pas encore la propriété de Dieu, aujourd'hui, je vous appelle à changer les propriétés. Amen. À changer les propriétés. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut qu'il y ait un changement des propriétés. Amen. Même si, alléluia, Amen. Par la ruse du diable, Amen. Vous aviez été mis dans une maison de prêt sur gage, dans une prison de Satan, Amen. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, agapant au tabernacle, des griers ou des forces, Amen. Dieu veut te prendre Amen. Et te placer dans sa propriété. Amen. Parce que tu es la propriété de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dieu veut que tu puisses changer de propriété. Amen. Que tu puisses changer de propriété. Amen. Que tu sois libre. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous sommes dans l'imitation du christianisme. Oui. Merci Père. Mm-hmm. Essaie un peu de monter. Monte encore, parce que là on est à 61. Si tu peux monter. Quand j'ai dit monter, c'est-à-dire jusqu'à 62, 66. Amen. Amen. Bon, en attendant, comme je n'ai pas de brochure, vous allez lire. Amen. Amen. Adam, qui était placé dans cette maison de prêt sur gage, avait changé de propriété. Amen. Adam n'était plus libre. Adam avait perdu son pouvoir. Vraiment. Adam était devenu esclave. Lui qui était un petit dieu en miniature. Il était un dieu amateur dans les jardins d'Éden. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, amen. Amen. Nous voulons comprendre une chose. Amen. Que quand vous êtes dans les mains de Satan, vous êtes un esclave. Amen. Vous n'êtes pas libre. Amen. Vous êtes un prisonnier. Amen. 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 Vous n'avez pas de droit légal. Amen. Vous n'avez pas les droits revendiqués. Un esclave n'a pas de droit. Amen. Quand Israël était en Égypte, Israël n'avait pas de droit. Israël était devenu esclave. La Bible dit, au travers de Joseph, Israël est arrivé en Égypte. Mais le Dieu d'Abraham, qui avait dit à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger, amen. Quand Israël est arrivé en Égypte au travers de Joseph, Joseph n'était pas un esclave. Amen. Mais Joseph, parce qu'il connaissait sa position, Amen. Parce que Joseph avait la promesse de Dieu en lui, Amen. 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 Au travers de Joseph,
Toute sa famille était nourrie en Égypte. Amen. Et il y avait un homme qui était né dans l'esclavage. Son nom était Moïse. Amen. Cet homme est né dans l'esclavage, mais cet homme a libéré ses frères de l'esclavage. Amen. Israël était esclave en Égypte. Israël avait un propriétaire. Ce propriétaire-là, c'était Pharaon. Israël était la propriété de l'homme. Était la propriété de Pharaon. Amen. Mais parce que Dieu avait promis à Abraham que par sa main puissante, il sortirait le peuple d'Israël. D'où? De l'Égypte et de l'esclavage. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le temps était venu pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, tout celui qui n'avait pas, alléluia, regardez à cet homme que Dieu avait placé pour leur liberté, pour leur délivrance, cet homme devait rester esclave à vie. Amen. Dans ce pays étranger, en Égypte, Moïse était la main de Dieu. Amen. Moïse était cet homme que Dieu avait choisi. Amen. Il fallait regarder à Moïse. Amen. Dieu les a présentés Moïse. Amen. Moïse était cet aigle. Amen. Que Dieu avait envoyé. Amen. En Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Amen. Pour qu'Israël soit libéré en Égypte, il ne fallait pas écouter une autre voix. Amen. En ce moment-là, il n'y avait que Moïse. Amen. Et Moïse seul. Amen. Amen. Alléluia. Pour être libéré en Égypte de l'esclavage, il fallait suivre Moïse. Amen. Il fallait écouter la voix de Moïse. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu, amen, avait envoyé un aigle pour libérer le peuple d'Israël. Qui avait vu un aigle venir en Israël, en Égypte, pour prendre le peuple d'Israël? Amen. Personne n'avait vu cet aigle. Amen, amen. Amen. Or, cet aigle, c'était le prophète de Dieu. Amen. Dieu compare amen. Ce prophète à des aigles. Amen. Amen. Voici le prophète que je vous envoie. Voici. Je vous enverrai Élie le prophète. Alors tout celui qui n'écoutera pas la voix de ce prophète que Dieu a envoyé ne sera pas libre. Amen. Le problème se trouve dans ces voici. Amen. Quand Dieu pointe du doigt, quand Dieu dit que c'est lui Amen. Qui peut faire quelque chose pour vous, Amen. Alors tout celui qui n'écoutera pas Amen. La personne que Dieu a pointée, il ne sera jamais libre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donnons les acclamations au Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans la prédication, allez vers ça. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Au paragraphe 220 à 230. Le frère Branham nous parle de l'union invisible. Quelle est cette union? De l'épouse terrestre Amen. Et de l'époux céleste. Amen. 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 Et là, il nous parle comme Paul parlait du mariage. Mais là, il ne s'agit pas du mariage terrestre. Amen. Il s'agit d'un autre mariage. Amen. D'un mariage céleste. Amen. Dans la maison des prêts sur gage, Adam était devenu l'épouse de Satan. Amen. Je ne parle pas de l'époux. Amen. Parce que Adam c'est un homme. Amen. Mais il était devenu l'épouse de Satan. Amen. Les frères Branham dit, quand nous venons dans le monde, le premier mari que nous trouvons, il dit, c'est le monde. Amen. Et le monde, c'est le diable. Amen. Adam était épousé, amen, par Satan. Amen. Parce qu'il avait perdu son autorité, il avait perdu le pouvoir.
Adam avait une propriété. Amen. Et le frère Branham dit, pour que la femme, amen, qui est épousée par un mari, puisse avoir un autre mari après, il faudrait que son premier mari puisse mourir. Amen. Je ne prêche pas les mariages et les divorces. Amen. Là, je parle de l'union invisible. Amen. De l'époux. De l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Amen. Amen. Adam avait un mari. Ce mari-là, c'était le monde. Ce mari-là, c'était le diable, Lucifer. Mais alors, pour que Dieu puisse prendre de nouveau Adam, il a fallu que le premier mariage soit annulé. Amen. 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 Que le premier mari puisse mourir. Amen. Notre époux, le Seigneur Jésus, ne peut jamais nous prendre en mariage aujourd'hui si notre premier mari, le monde, n'est pas mort en nous. Amen. Parce que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Si Jésus te prend, amen, et que ton premier mari est vivant, Jésus sera appelé adultère. Jésus connaissant la parole, il ne peut pas te prendre comme cela jusqu'à ce que ton premier mari, le monde puisse mourir. Beaucoup de gens, amen, ne sont pas pris en mariage par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, à cause de leur premier mari, le monde. À cause de leur premier mari, le diable. Si vous marchez avec le diable, Jésus ne peut pas vous prendre en mariage. Si vous avez encore les habitudes du monde, Jésus ne pourra jamais vous prendre en mariage. Alléluia! Avant que le Christ puisse vous prendre en mariage, lui, l'agneau de Dieu, il faut d'abord que votre premier mari, le diable, puisse mourir. Il faut que la dénomination en toi puisse mourir. Il faut que la religion en toi puisse mourir. Quand on vient dans le message, on ne vient pas avec les esprits pentecôtistes. On ne vient pas avec les esprits dénominationnels. On ne vient pas avec nos religions d'avant. Quand on vient à Christ, on vient en étant libre. Le premier mari, le monde, doit mourir. Alléluia. Et en ce moment-là, l'époux, l'agneau de Dieu, peut vous prendre un mariage. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez ceci, frère. Abraham avait besoin d'épouser une femme pour son enfant. Abraham ne voulait pas que son épouse puisse épouser une femme parmi les Cananéens. Alors Abraham a confié la mission à son serviteur, son intendant, Eliezer de Damas. Il lui a fait gérer. Il lui a dit, écoute, va dans ma famille. Va prendre pour ma fille. Amen. Pour mon fils, pardon. Une femme parmi les miens. Amen. 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 Eliezer, son intendant, a juré que je n'irai pas ailleurs. J'irai seulement dans ta famille. Amen. Gloire à Jésus. Après sa prière, Abraham a dit, parce que tu es sincère, écoute, un ange te précédera. Amen. Et cet ange-là préparera le chemin. Amen. Là où tu iras. Amen. Eliezer. Alléluia. A juré Abraham. Amen. Que je ne prendrai pas une femme parmi les filles du monde. Amen. Eliezer a donné des signes dans sa prière à Dieu. Amen. Dit Seigneur, la fille à qui
je demanderai de l'eau à boire. Et d'elle-même, amen, si elle me propose de donner aussi de l'eau à mes chameaux, c'est cette fille-là, voilà, qui sera l'épouse du fils de mon Seigneur. Amen. Et les heures arrivent dans le pays où Abraham l'avait envoyé. Il a rencontré les choses telles que il avait demandé dans sa prière. Amen. Alléluia. Il y avait beaucoup de filles. Amen. 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 Il y avait beaucoup de filles. Alléluia. Dans ce pays-là. Amen. Mais une seule fille est venue proposer à Eliezer de donner aussi de l'eau à ses chameaux. Amen. Eliezer a demandé à la fille: est-ce que je peux connaître ta famille? Amen. La profondeur appelle. La profondeur. Amen. Amen. La fille amène Eliezer dans sa famille. Le papa de cette fille s'appelait Bethuel. Quand il arrive là-bas, c'est là où Eliezer découvre que cette famille était aussi le sang d'Abraham. Amen. 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 Alléluia. Il dit: moi j'ai accompli ma mission, ce que j'avais demandé à Dieu. Amen. Je vis cela s'accomplir dans la vie de votre fille. Amen. Il dit: ne me retardez pas. Parce que Dieu a fait réussir mon voyage. Amen. La Bible dit que les parents de la fille appelaient la fille et la consulta. Ils ont posé la question à la fille: veux-tu aller avec cet homme? Oh. Amen. Regardez les personnes qui sont spirituelles. Oui. Amen. Amen. La fille aussi avait ses signes. Amen. Alléluia. La fille priait pour le mariage. Amen. La fille avait besoin d'un mari spirituel. Amen. Parce que aujourd'hui, quand les jeunes gens prient pour le mariage, ils ne prient plus pour la spiritualité. Amen. Que ce soit les hommes ou les femmes, ils prient pour les choses apparentes. Amen. Quand ils prient, c'est pour la beauté. Il faut que la femme soit belle, comme une femme qu'on a dessinée sur une feuille. Il faut que l'homme puisse avoir beaucoup d'argent. Amen. Et j'étais étonné, quelque part j'ai appris que les filles donnent même des conditions. Amen. Il faut que l'homme ait aussi le permis de conduire. Amen. Qu'est-ce que la fille est en train de voir? La fille voit déjà les biens matériels. Amen. 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 C'est ça. Amen. 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 Surtout si la fille ne connaissait pas l'homme. Il demande à la personne: ce n'est pas un péché, hein, de proposer à un frère d'épouser une soeur. Ce n'est pas un péché. Parce que nous avons nos imaginations, c'est la commission, non. C'est écrit nulle part la commission. Amen. Oh, tu verras, la fille posait la question: est-ce qu'il a des papiers? Il pose la première condition. Peut-être l'autre condition: est-ce qu'elle est du Kassai? Mais il est de Bandundu, non. Oh non. Parce que nous, chez nous, là-bas, au pays, nous, comme un frère qui était fâché, il dit à l'autre frère: attention, hein, attention, moi je suis au Sakata. Frère, nous on pensait que toi tu étais un chrétien. Les sœurs togolaises sont ici, épousez-les. Ah. Épousez-les. Oh non, elle n'est pas de mon pays. C'est quoi ton pays? C'est ça ma question. Notre pays, c'est le message de l'Église.
n'a pas de papiers. Ah, il n'a pas de papiers. Ah bon? Mais c'est Dieu qui donne les papiers. Pour les frères, on pose encore des conditions. Est-ce qu'il a des permis de conduire? Parce que tu vois déjà une petite Golf. Mini poupée. Pour toi, comme Benny a dit la mini poupée. Donc toi, tu vois déjà les mariages. Tu es assise. Comme chez nous, les bambalodis comme pour mon portier. Donc tu vois déjà donc, que tu es en train de faire le tour avec les frères. La main où? À la portière comme ça. Je vois quand je sors là, vous commencez à suivre. Hein? Ici c'est bien. Hein? Parce que là c'est comme si vous me suiviez. Tu vas voir quand je sors ici. Bon, je ne veux pas rester là. Là, je laisse au pasteur Salé. Amen. La fille donne des conditions, mais Rebecca n'avait pas donné des conditions. Rebecca avait prié. Rebecca, de son côté, avait dit, Seigneur, moi, je veux un mari spirituel. Et quand Rebecca vit tous les signes s'accomplir, on lui a posé la question. Veux-tu y aller avec cet homme? Mais c'était l'étranger. Tu ne l'as jamais vu. Rebecca répondit, j'irai. La profondeur appelant, la profondeur. Les frères Bonhomme me disent, le mariage chrétien, c'est une affaire de sang. Adam n'avait pas épousé quelqu'un d'autre. Adam avait épousé une femme qui était son sang. Une femme qui est sortie d'elle. Amen. J'aime appeler Ève Isha. Les frères Branham disent Adam était appelé Ish. Isha signifie celle qui est sortie d'eux. Alléluia. C'était une affaire de sang. C'est là où nous voyons plus tard que notre grand-père, celui que nous appelons notre père dans la foi, du nom d'Abraham, ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre. C'était une affaire de sang. Le frère Branham me dit, elle avait épousé sa demi-sœur. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je vais vous amener pour que vous compreniez. C'est une histoire de la rédemption. Adam a épousé quelque chose qui est sorti de lui. Abraham a épousé sa demi-sœur. Amen. Le prophète dit Amen. Il y avait Caïn et Abel. Mais Dieu avait dit à Adam et Ève de se multiplier sur la terre. Mais nous voyons que Adam, Caïn, pardon, avait épousé une femme. D'où était venue cette femme? Amen. Le frère Branham me dit, cette femme était venue seulement de la lignée d'Adam. C'était des enfants. De qui? Des enfants d'Adam, des enfants d'Ève. C'était une histoire de sang. C'est pourquoi aujourd'hui, amen. Amen. Dieu a envoyé notre Eliezer. Amen. Dieu a envoyé notre Eliezer pour venir ici sur terre chercher pour lui Dieu une épouse. Cette épouse-là doit avoir le même ADN. Le même ADN que l'ADN qui se trouve dans son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rebecca avait accepté de partir avec un homme qui ne connaissait pas. Amen. Laissez-moi vous dire, amen. Aujourd'hui, amen. Ah, le frère Branham m'a dit que les pentecôtistes ne pourront jamais recevoir le message du septième rang de l'église parce que cela n'était pas adressé à eux. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Si quelqu'un sait qu'il me cherche, fait la brochure, s'il vous plaît.
pour que je puisse vous lire noir et blanc la citation. Amen. 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 Car il s'agit du sang. Eliezer ne pouvait pas aller chercher ailleurs. Amen. Il devait retourner dans la famille d'Abraham. Amen. Et l'ange lui-même a conduit Eliezer. Amen. Jusqu'où? Jusque dans la famille d'Abraham. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Ça, c'est quelle citation? Mon père. Merci beaucoup. Je peux vous lire quelque chose? Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Écoutez ce que le frère Bonhomme dit. Au paragraphe 277, il dit ceci. Il écrit, Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez. Remarquez-vous, ça ne s'arrête pas là. Vous irez aux noces dans le ciel. Et vous portez l'agneau, l'anneau de mariage, de la grâce prédestinée imméritée. Un anneau de mariage. La grâce imméritée de votre part. Amen. C'est Dieu qui accomplit ça lui-même. Amen. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Amen. Alors c'est là qu'il vous a passé au doigt l'agneau du mariage. Amen. Qu'il a inscrit votre nom sur les livres. Amen. Oh, quelle action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Louange à notre Dieu. Amen. Maintenant, pour conclure, Amen. Je dirais ceci. Amen. Nous savons tous que l'église contemporaine, Amen. Pentecôtiste, Amen. Dans son état actuel, Amen. Et j'inclus toutes les dénominations, Amen. Je les mets toutes dans un même paquet, Amen. Parce que elles y sont, souvenez-vous. Amen. Il va d'abord lier les mauvaises herbes Amen. En germes et les brûler. Il prend d'abord toutes les tiges du blé. Amen. Et les brûle, puis il prend. Amen. Il vient prendre son blé Amen. Et l'emporte à la maison. Amen. Elle se rassemble toutes en germes. Amen. Une germe des méthodistes, Amen. Des baptistes, Amen. Des pentecôtistes. Amen. Alors qu'elles s'en vont toutes dans les conseils œcuméniques. Amen. C'est tout. Elles sont toutes à brûler, voyez-vous. Amen. Nous savons Amen. Tous Amen. Que l'église contemporaine, Amen. Dans son état actuel, Amen. Dans sa condition actuelle, n'est pas du tout en état Amen. De mener à terme la grande commission Amen. Que Dieu a donnée à l'église pour aujourd'hui. Amen. Combien de pentecôtistes peuvent dire Amen. 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 L'église, la dénomination tout entière, les prophètes disent ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas amener à terme à cause de leurs conditions d'aujourd'hui. C'est pourquoi, Amen, pour aller voir Isaac, Alléluia. Il nous faut un Eliezer. Il nous faut un Eliezer. Pourquoi? Amen. Parce que Rebecca ne connaissait pas Amen. Le fou. Amen. Amen. Rebecca ne connaissait pas les maris. Amen. 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 Toi, tu connais Jésus? Oh, peut-être que tu veux parler de la photo. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pour connaître Jésus aujourd'hui, Amen. Alléluia. Il nous faut un émissaire. Amen. 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 Il nous faut un Eliezer. Yeah. 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 Amen. Yes. Alléluia. Le frère Branham me dit, si Dieu m'avait consulté, là dans sa pensée, avant la fondation du monde, et qu'il m'avait montré tous les plans de la rédemption, Amen. Et me demandait, William Marion Branham, dans quelle génération, Amen. Dans quel âge, vais-tu venir? Amen. Et voilà, me dit, je répondrai Amen. Dans cette génération-ci. Amen. Pourquoi dans cette génération-ci? Amen. Enfin, moi, j'ai dit ceci. Moi, je n'ai pas la responsabilité de ce message. Amen, amen. Amen. La responsabilité de ce message, amen. Dieu l'a donné à Eliezer. Là, dans l'éternité, Dieu a mis sa cuisse comme ça. Eliezer a gilé. Alléluia. Eliezer a gilé. Amen.
sur la terre. Je ne parlerai pas pour ton fils. Une femme dénominationnelle. Mais il est descendu sur la terre. Amen. La même nature qu'il y avait en toi, c'est la même nature qu'il y avait dans l'époux. Comment l'épouse devait reconnaître son époux? Rebecca est montée sur les chameaux. Alléluia. Rebecca est allée jusque dans la maison d'Abraham. N'importe quel homme pouvait se présenter. Oh, moi je suis le pape. Je suis l'archevêque ici. Je suis l'archibishop ceci. Amen. Rebecca ne pouvait pas bouger. Rebecca regardait à Eliezer. Aujourd'hui, tu peux tout nous amener. Si ce n'est pas le message de l'air, nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas. Nous regardons à Eliezer. Nous regardons à William Marion. Je vais vous achever. Amen. Dans Matthieu chapitre 25, il est écrit, il y avait 10 vierges, 5 étaient folles et 5 autres étaient sages. Toutes les vierges étaient des églises. Toutes attendaient le coup. Amen. Mais comment? Amen. Ils ne connaissaient pas le coup. Dans Matthieu 5 et 6, une voix a crié, voici l'époux. Voici l'époux et allez à sa rencontre. Amen. Mais, c'est ça l'époux. Tu connais l'époux? Toi, tu connais l'agneau? Merci Seigneur. Amen. Beaucoup de gens parlent plus de l'Eliezer au lieu de parler de l'époux. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus. Eliezer, lui, c'est simplement l'intendant. Eliezer pouvait nous dire, voici l'époux. Amen. Vous voyez ses yeux, vous voyez sa barbe, vous voyez sa bouche. Parce que nous, vous voyez seulement la nuée. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Dis à Eliezer, tourne ma photo du côté. Et quand il a tourné la photo, Eliezer pouvait nous dire, regardez ses yeux, voici sa barbe, voici sa bouche. Le Saint Valon me dit, amen, le cou était enveloppé de la nuée de gloire. Jésus à l'âge de 33 ans. Il n'était pas un géant, mais comme on a dit, le juge était prêt. Le juge d'Angleterre, qui mettait les perruques blanches, qui le pouvoir est entre ses mains. La Bible dit non, Jean chapitre 5 du 5, le Père a remis tous les pouvoirs au fils. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et les heures devaient amener Rebecca. Et les heures à monter Rebecca, il dit,
Ne suis pas tous ces arbitres qui viennent là. Amen. Alléluia. Il dit le Fils va venir. Amen. Le prophète dit c'était au milieu du champ. Amen. 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 Alors de l'autre côté, Isaac attendait. Selon le frère Branham dit que Jésus nous attend dans les airs. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il ne nous attend pas sur la terre. Le millénium n'est pas encore venu. Non. Le frère Branham dit, je crois. Amen. À Hébreux chapitre 13, verset 8, Amen. Que Jésus-Christ est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. À l'exception de son corps physique. Amen. Le même Jésus le fait encore aujourd'hui. Jean 14, 12, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi davantage. Deutéronome 25. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Qui connaît la Deutéronome 25? La Bible dit. Une femme ne mettra jamais des vêtements d'homme. Parce que c'est une abomination devant Dieu. Est-ce que là, l'intérieur, on a écrit pantalon? Non, mais c'est... Il fallait que les yeux puissent monter. Et les yeux est monté quand les yeux est descendu. Et les gens nous ont dit Amen. Que les pantalons, Amen. C'est les vêtements d'homme. Amen. Moi, je n'ai pas reçu cette responsabilité. Je le disais dans mon église. Moi, je peux vous dire, sœur, allez-y mettre les pantalons. Je peux vous dire, sœur, allez-y mettre les maquillages. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Amen. Mais quand Eliezer est monté, Eliezer a regardé. Eliezer a dit, je peux vous confirmer que le maquillage vient de l'enfer. Les frères Branham me disent oui, mais tu auras l'apparence d'une païenne. Non. Amen.
On a donné au frère Branham un cadeau avec son nom. Il avait aussi une ceinture avec le nom Bill. Merci Seigneur. Dites la chose. Amen. Moi je n'ai pas la responsabilité. Amen. Allez voir Eliezer. Amen. C'est lui qui avait vu le visage d'Isaac. Amen. Le frère Branham a dit de tous les portraits de Jésus que moi j'ai vu dans ma vie, il n'y a qu'un seul portrait qui ressemble au trait de Jésus. Il dit c'est le Jésus normal. C'est lui qui a vu. Il dit parce que quand il m'a visité, alléluia, il dit cet ange-là de 90 kilos, il dit il a fait ses traits. Nous voulons perdre notre identité, message. Oh Seigneur Jésus. Oh. Nous voulons les perdre. Vraiment. Nous avons mis Eliezer dehors. C'est ça. Nous avons mis le Saint-Esprit dehors. Nous avons mis l'onction dehors. Nous voulons des églises froides et formalistes. C'est grave. Et nous avons mis l'époux dehors. C'est ça. La deuxième fois que le diable a voulu essayer avec Jésus dans le désert, il lui a dit, si tu te jettes de cette montagne, Dieu enverra ses anges pour te transporter. Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Sans exception. Eliezer de notre temps a respecté ça. Amen. Amen. Ça, je le crois. Amen. Il a respecté. C'est pourquoi l'Apocalypse 22. Amen. La Bible dit, Amen. C'est lui qui ajoutera quelque chose. Qui enlèvera, son nom sera aussi enlevé du livre de vie. Amen. Ce n'est pas moi. Mmh. Vous croyez à Eliezer? Amen. Mais vous n'avez pas les mains levées. Amen. Amen. Un jour, Eliezer a prêché. Il a prêché sur les seaux. Amen. Arrivé un moment, un frère est venu lui dire, frère Branham, tu ne vois pas que le seau que tu viens de prêcher, ça peut être le 23e chapitre d'Apocalypse. Madame dit, tu veux faire de moi un antichrist? Il dit, le son que je viens de prêcher ici, Amen. C'était au dos du livre. Ce n'était pas à l'extérieur du livre. Au dos. Alléluia. Entre les livres. Ça, c'est le livre. Ça, c'est le livre. Là, on s'écrit la Sainte Bible. Le frère Balaam dit, c'était au dos du livre. Mais le livre était scellé de sept sous. Amen. Amen. Il fallait que les sceaux soient ouverts. Amen. Pour que Branham puisse nous dire. Amen. Caïn venait d'où? C'est Eliezer qui nous a dit. Amen. C'est lui la responsabilité. Amen, amen, amen. Moi, je crois à la parole parlée. Amen. 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 Moi, je crois à toute la Bible. Amen. De la couverture à la couverture. Amen. 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 C'est à lui que Dieu avait donné la responsabilité. Amen. 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 Ce n'est pas nous, les prédicateurs, d'interpréter. Non. On a essayé d'interpréter. Ça créait des hybrides dans notre église. Laissons le message tel que Dieu l'a donné à Eliezer. N'interprétons pas. Amen. Si tu n'arrives pas à vivre le message, demande plus la miséricorde de Dieu. Amen. Le message restera vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à le vivre, Amen. Va devant l'autel. Amen. Amen.
Amen. Aujourd'hui, je vais essayer de prier. Je vais essayer. Amen. Parce que le dimanche, là, on m'a dit, mais pasteur, pourquoi tu n'as pas prié à la fin? Aujourd'hui, je vais essayer de prier à la fin. Toi qui n'arrives pas, amen, à vivre ce message, Dieu te parle aujourd'hui. Amen. Ce n'est ni par la force, non. Ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Jean était un cousin germain à Jésus. Oui. Amen. 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 Mais Jean ne connaissait pas le visage de Jésus. Amen. 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 Jean ne connaissait pas. Et frère madame dit que Jean est entré dans le désert à l'âge de 9 ans. Oui. Oui. Ils ont juste un écart de 6 mois. De 6 mois. Oui. Avec Jésus. Amen. Mais ils ne connaissaient pas son visage. Oui. Mais là, dans le désert. Voilà. Amen. 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 Dieu lui a dit, je te montrerai par le visage de l'agneau. Oui. Mais tu le reconnaîtras par un signe. Amen. Amen. Juste un signe. Amen. Juste un signe. Alléluia. Amen. Un jour, il était en train de baptiser. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Oui. Mais il vient quelqu'un après moi. Regarde, il dit, après moi. Mais qui m'a précédé? Amen. Moi, mais qui m'a précédé? Il dit, lui, il vous baptisera de feu. Amen. Tu le connais, j'ai dit non. Mais je le reconnaîtrai par un signe. Jean était là dans les journées en train de baptiser. Il baptisait. Peut-être c'était aussi la 17e personne, je ne sais pas. En 1933. C'était un cône. Il dit, c'est lui sur qui je verrai la colombe se poser sur lui. C'est lui là la main de Dieu. Il ne connaissait pas son visage. Frère, nous on ne connaît pas les messages. Amen. On ne connaît pas. Oui. Amen. Alléluia. Vous allez au ciel. Oui. Alléluia. Quelqu'un peut nous présenter. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il nous présente l'agneau. Oh, un agneau parfait. Amen. Avec des sabots, avec des cornes. Oh. Et on nous dit de manger tout. Amen. Amen. Avec les sabots, oui. 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 Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Avec les cornes, oui. Oui. Alléluia. Amen. Avec les entrailles, oui. Les biamouna, oui. Oui, tout. Quand l'ange est descendu dans l'Apocalypse chapitre 10, la Bible dit que l'ange puissant, amen, est descendu avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, avec une nuée sur sa tête, avec un petit livre ouvert. Amen. Quand l'ange descend, il rencontre les messagers terrestres sur la terre. Oui. Le même livre qui était fermé d'Apocalypse chapitre 5, ici d'Apocalypse chapitre 10, les sceaux étaient ouverts. Oh Jean, Jean pensait que le livre était à lui. Les frères madame ont dit que Jean représentait l'épouse. L'épouse. Amen. Amen. L'ange puissant donne le livre à Jean. Il dit, Jean, avale le livre. Il sera amen. Amen dans ta bouche. Oui. Il sera dans tes entrailles. Oui. Amen. Très tout. Amen. Les messages, quand tu l'écoutes, c'est amer, ça te tombe. Oui. Mais quand ça descend dans les cœurs, tu dis, oh, c'est vrai, madame, si tu n'étais pas venu. L'enlèvement. Amen. Mm. Mais l'épouse ne sera pas déçue. Amen. Parce que l'épouse a écouté la voix de sept tonnerres. Amen. D'Apocalypse 7. Amen. Mais qu'au jour 17,
qu'au jour de la voix du septième ange, amen, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Tous les mystères. Amen. 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 Oh frère. Amen. Qui veut provoquer la lèpre qui lève un peu sa main? Oh. Amen. Amen. Merci. Il y a des gens qui disent non, moi, mon mariage, c'est bientôt. On doit l'avoir attendre. Frère, je vous dis la vérité. C'est pourquoi soutenez les pasteurs salaires. Amen. Il y a toujours l'épée dans sa main. Il est fait bien aiguisé. Pas avec la pointe arrondie, non. C'est pour nous garder dans les messages, amen, pour que tu sois participant, amen, de la nature divine, amen, et que tu sois participante de l'enlèvement. Amen. Parce que moi, je me pose la question, amen, si nous on part, oui, quelle génération va laisser après nous? Amen. Des prédicateurs avec des bracelets? Les frères étaient de me prêcher, prédicateurs avec des bracelets? Oh. Dans les messages. Amen. Nous, on a souffert comme ça. Oh. Tu veux faire comme ça, païen? Tu veux faire comme ça, païen? Et vous venez avec la facilité? Voilà! Si tu n'es pas délivré, demande la délivrance! Ne nous trompez pas! Amen. Ce n'est pas le message de Branham. Amen! Oh non, je suis parti en Amérique, j'ai vu les fils des prédicateurs. Ce ne sont pas nos modèles. Nous avons donné toute notre jeunesse à ces messages. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vient dire parfois les messages. Oh nous, vous n'avez pas compris. Vous de votre génération. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner aujourd'hui? Les Saint-Esprit avec des lox, un prédicateur avec des lox, c'est faux. Je n'en croirai pas. Des païens du cœur. Moi, je ne connais pas les messages. Amen. Je ne connais pas Amen. Isaac. Amen. Il me faut Eliezer. Gardons les messages purs. Achète-toi. Mets ton petit bracelet là des euros. Mets ça dehors. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hé frère André. Amen. La table montre un Rolex. Même il y a 16 000 euros. La table. Même quand le Rolex, ta bracelet, le royaume ressouté. Attends à 1 euro. Amen. 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 C'est là qu'on voulait. Cadeau. Donnons les acclamations, Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Ces gens qui a présenté André et l'autre là, l'agneau. Amen. Et Philippe, hein? Oui. C'était les disciples de Jean. Amen, amen. Alléluia. Ils étaient là quand Jean baptisait. Oh, mais ce jour-là, quand Jésus est entré dans le Jourdain, peut-être qu'il était la 17e personne, comme on disait. Oh, amen. Le ciel s'est ouvert, oui, et la colombe est descendue. Amen. La domination se reposera sur son épaule. Amen. Jean regardait Jésus. Oh. Les frères, moi, pendant me dit, vous voyez l'attraction. Amen. Cette fois-ci, ce n'était pas sur la montagne. Amen. Cette fois-ci, l'attraction, c'était dans les eaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 L'attraction, c'était dans les eaux du Jourdain. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ne perdez jamais ça dans votre pensée. Quand Dieu a parlé à Jean, c'était dans le zoo. Amen, amen, amen.
Il lui a dit, voici. Tu vois, la personne que je t'ai caché le visage pendant tous les 30 ans, c'est lui. Mais Seigneur, comment on pouvait même se passer sur le chemin? Il dit, oui, je t'avais voilé les yeux. Mais par un signe, tu l'as reconnu. Amen, amen, amen. Et dans Malachie 4, il est écrit, amen. Il ramènera les cœurs de tes pères aux enfants. Amen. Et un jour, en l'an 1733, c'était aussi dans les eaux. Amen. Et la commission a été donnée. Il dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie toi. Toi, Eliezer, avec un message pour préparer ma seconde venue. Peut-être je vais arrêter. Amen. Voici la nuit. Amen. Vous voulez comprendre quelque chose, frère? Amen. Qu'on les comprenne ensemble. Amen. Branham, hein, c'est lui qui nous a montré Jésus. Amen. Oui. Amen. Amen. Il dit, voici ses yeux. Voici ses yeux. Voici. Amen. Il dit, Robert, toi tu ne connais pas Jésus. Amen. Tu étais chez les pentecôtistes. Charalara, charalara. Je dis non, ça ce n'est pas adorer, Robert. Amen. Les vrais adorateurs adoreront l'esprit en vérité. Amen. Amen. La vérité est venue. Amen. Là, tu avais des prédicatrices qui étaient en train de te prêcher. Ah, wow. Il y avait des quatre lois spirituelles de séminaire en séminaire. Amen. Mais tu n'arrivais jamais à la perfection. Amen. Il dit, moi je te montre Jésus. Amen. 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 Branham. Amen. Amen. Nous a montré Jésus. Amen. Et nous, aujourd'hui, les prédicateurs, notre rôle, c'est d'amener aussi les peuples à leur montrer Jésus. Amen. Amen. Vous allez, peut-être vous poser la question. C'est Jésus qui va vous amener à Branham. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Yeah, amen. Pasteur, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Oui. Un triangle. Amen. 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 C'est Jésus. Amen. Parfois, nous amenons les gens à Branham. Sans les amener à Jésus. Non. Amen. Amen. Tournez le regard vers Jésus. Amen. Au point qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur. Après 20 ans, nous voyons ces gens, ils ne changent pas, ils tournent toujours en rond. Là, leur vie, c'est comme ça. Lundi, les chrétiens, mardi. Mercredi, les chrétiens, jeudi. Vendredi, les chrétiens, samedi. Dimanche, il y a l'église, les chrétiens. Tous les jours, c'est comme ça. Mais si tu amènes quelqu'un à Jésus, Amen. Jésus, Amen. Le vrai, Amen. C'est lui qui va te montrer maintenant le message de Branham. Amen. D'approuvant sa parole, le frère Branham me dit, je suis persuadé que des prédicateurs n'amènent pas les gens à Jésus. C'est comme ça. Les prédicateurs amènent les gens vers eux-mêmes. Les frères Branham disent, quand je prêche, je n'ai jamais amené les gens vers moi. J'ai toujours amené les gens à Christ. Quand tu amènes une personne à Christ, Christ maintenant va commencer à t'expliquer la semence du serpent. Mais je n'ai jamais vu ça. Il dit, va lire dans la brochure la semence du serpent. Mais qui a prêché cela? Eliezer. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est la vérité. C'est Eliezer qui doit te montrer, Isaac. C'est la vérité. C'est Jean qui a montré à ses disciples l'agneau. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens
Non, tu vois, vraiment. 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 Mais Isaac, il sera jaloux. Amen. Il dit la femme en question, c'est à toi ou c'est à moi. Amen. Amen. C'est bien. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Alléluia. Ce n'est pas Branham qui entre dans nos cœurs. C'est Jésus. J'ai écouté une fausse doctrine quelque part. Un frère dit, il dit, oh, vous savez frère, dans les jardins d'Éden, quand Adam était chassé, Dieu a placé là des archanges, des kérubins, avec des épées flamboyantes. Il dit, oh, pour protéger l'arbre, il vient ici. Il dit, voilà l'arbre, voilà l'arbre. Et là, c'est les épées flamboyantes. Nous jouons là-bas. Holocaine sauvage. Nous voulons. Les pasteurs Salem vous prêchent un vrai message. Il vous amène à Christ. Et Christ vous montrera Branham. Amen, 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 amen. Alléluia. Peut-être tu vas me dire, mais pasteur, tu t'es contredit. Non. Comment toi tu nous dis que c'est Eliezer qui nous montre Isaac? Oui. Amen. Eliezer va te montrer Isaac. C'est quand tu as Christ en toi, Christ te dira, écoute la voix du septième ange. Amen. 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 Alléluia. Pour te préparer pour l'enlèvement. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. C'est la voix du septième ange. Amen. Qui apportera le changement même du corps pour l'enlèvement. Amen. 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 Ce n'est pas dans les dénominations. Amen. Tu peux jeûner 40 jours. Amen. Tu peux aller dans des séminaires, des veillées, des retraites. Mais si tu n'écoutes pas la voix d'Eliezer, pas d'enlèvement pour toi. Amen. 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 Ah. Amen. Amen. Les temps et les signes de l'union. Amen. Je vais lire quand même une citation là-bas. Hein. Au paragraphe 63. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Je vais arrêter. Amen. Amen. Il dit ceci. Ça avait l'air d'être une bonne idée, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les bâtisseurs de la maison s'y étaient trouvés sous la forme d'un humble charpentier galiléen. Ils l'avaient rejeté alors que Dieu avait confirmé qu'il était son messager de l'air, les germes, et il avait rejeté. Alors, toutes les prières, toute la sincérité, tous leurs sacrifices ne voulaient rien dire pour Dieu. Ils avaient fait ça, et Dieu a laissé cette grande armée s'unir pour les détruire. Amen. Amen. Quand Dieu avait envoyé son fils, les frères Branham dit qu'Israël ne l'avait pas reconnu. Parce que Dieu était caché dans le corps d'un humble charpentier. Amen. Un humble menuisier. Amen. C'est pourquoi leurs yeux ne pouvaient pas reconnaître les messagers de ce temps-là. Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le diable est en train d'aveugler les gens pour ne pas voir les liaisons que Dieu nous a envoyés. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé Eliezer. Amen. Amen. Que je vous dise quelque chose. Amen. J'ai envie d'avaler le livre. Hein? Oui. Est-ce que moi je peux vraiment avaler la brochure ici? Non. Ça va rentrer dans les estomacs. Non. L'agneau avait pris le livre, non? Mm-hmm. Le frère Branham dit, est-ce que l'agneau avait le savon, avait les mains pour prendre le livre? Non. Hein? Non. Je vais vous amener dans quelque chose. Amen, amen. Le pasteur Salem lui-même. Frère André, on fait sa rapport. Hein? Il n'est pas déjà béni. C'est bon, il y a quand même un problème. Je vais clôturer par là.
Nous aimons ce message, frère. Amen. De tout notre cœur. Ma pensée dans Voici l'agneau. J'ai prêché d'Abeka Tabernacle la même chose. Mais ici, je prêche encore autrement. Là, je l'avais intitulé « Quelle maison me bâtirez-vous ? » Mais ma pensée, c'était « Voici les propriétaires. » Amen. Dieu est le propriétaire de son Église. Amen. 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 Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Amen. 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 Nous devons montrer aux gens Isaac. Amen. Nous devons pointer les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand Jésus entre dans ton cœur, c'est lui qui va changer ta vie. Amen. Invite Jésus dans ton cœur. Amen. Amen. Ce message n'est plus un mystère. Amen. Nous n'adorons pas Branham. Amen. Non. Nous ne l'élevons pas non plus. Amen. Non. Amen. Amen. Eliezer n'avait pas de gloire pour lui. Amen. Eliezer avait juré. Il dit, moi je t'amène seulement. Rebecca. Amen. 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 C'est pourquoi le frère Branham, quand il avait vu la vision de l'agneau invisible, il dit, j'ai vu l'épouse qui sortait de la ligne. Il dit, à la cadence de quoi? Des rocks and roll. Des twists. Des twists. Il s'est déhanché, hein? C'est ça les twists. La prophétie, que la vision que Branham a vue, cette prophétie-là est en train de s'accomplir maintenant. Oui. Que l'épouse sortait de la ligne. Oui. Que Dieu bénisse quand même ces journalistes-là au Congo, Christian Bossembe. Que Dieu les bénisse pour ce qu'il a dit. Faites ce message, hein. Ne peut pas. Nous ne pouvons pas sortir de la ligne. Amen. Pourquoi nous sortons de la ligne? Parce que nous ne braquons pas nos yeux sur le message. Amen, 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 amen. Amen, amen. Malheureusement, il y a des gens qui ont refusé de venir dans les églises parce qu'ils ont dit non, nous voulons rester fidèles au message. Nous voulons écouter seulement des paroles. Mais va regarder leur vie. J'ai prié pour un frère en Angola pendant 3 ans qu'il n'écoutait que des bandes. Il faut maintenant écouter sa confession. Il faut écouter sa repentance. Hein. Si c'est comme ça vraiment qu'il attendait l'enlèvement, vraiment, il allait rester. Vraiment. Frère, le message est pur. Amen. Amen. Ce message est pour nous. Amen. Aimons le Saint-Esprit. Amen. N'amassez pas la connaissance des citations non. dans la tête pour que les gens pensent que vous avez les messages. Non. Non. Amen. Non, dans la communion fraternelle, là, ton frère, tu es en train de réciter. Que les gens voient. Non. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? As-tu reçu la chose? Amen. Depuis que tu es dans ce message. Amen. 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 Ne cherchez pas les citations. Non. C'est le Saint-Esprit qui te fera comprendre le message. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Désirez le Saint-Esprit. Amen. Aimez le Saint-Esprit. Amen. Seul le Saint-Esprit changera ta vie. Amen. Tu ne pourras pas te changer toi-même. Amen. C'est impossible. Amen. Si tu essayes de te forcer, les gens verront ta nudité. Amen. Les gens verront que tu étais en train de faire semblant. Amen. Aimez le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit seul peut changer ta vie. Amen. Ne désirez pas quelque chose qui est comme non. Ne prenez pas les comme là. Amen. De
désirer la vraie chose. Amen. La chose authentique. Amen. Pour que tu sois sûr ces jours-là. Amen. 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 Ce message est vrai, Père. Amen. Ce message est vrai. Amen. Ce n'est pas un homme qui nous l'a prêché. Non. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Même si tu ne le comprends pas, dis seulement Amen à ça. Dieu ne nous a pas demandé de comprendre la parole. Amen. Mais Dieu nous a demandé de recevoir là. Amen. De croire à ce message. Amen. Ce message est tellement vrai, je vais terminer. Amen. Si les VP prendre le piano là-bas. Amen. 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 Quand l'ange expliquait ce message à Jean, amen, amen, amen. La Bible dit d'Apocalypse 22:9 que Jean voulait adorer cet ange. Vraiment. Amen. L'ange a regardé Jean. Il lui dit, Jean, ne m'adore pas. Amen. Amen, amen, amen. Je suis là de tes compagnons de service. De tes frères les prophètes. Amen. Et Branham tourne. Amen. Amen, amen, amen. Il lui dit, cet ange-là qui expliquait le message à Jean, c'était le messager du 7e âge de l'église. Je ne cherche pas à le comprendre. Non. Je ne le cherche pas. Mais moi, je le crois. Siméon, tu comprends petit ces choses. Amen. Merci. Ici, c'est là. Le frère Branham dit, les 7 étoiles qui étaient dans la main droite de celui qui est au milieu des 7 chandeliers d'or, il dit que c'était les 7 messagers de 7 âges de l'église. Amen. Il y avait Martin, oui. Il y avait Irénée, Coloma, il y avait Luther, Wesley dans l'âge de Philadelphie. Oui. Et ici, le frère Branham avait écrit William Marion Branham. Il l'a effacé. Amen. Et la colonne de fer est venue tenir. Amen. Amen. Parce que lui, il avait écrit Élie. Amen. Dieu dit non, pourquoi tu es si humble comme ça? Amen. Ce n'est pas Élie, il doit connaître Amen. La chose. Amen. La colonne de fer est venue écrire William Marion Branham. Amen. La 7e étoile qui se trouvait dans la main droite de Dieu. Amen. Le prophète dit d'Apocalypse chapitre 3. Alléluia. L'église est montée dans l'enlèvement. Amen. Et dans le chapitre 4. Amen. Amen. Jean a vu l'installation du trône. Amen. Jean voit autour du trône les 24 anciens. Amen. Les frères Branham disent que ce n'étaient pas les 24 vieillards. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de vieillards. Amen. Il dit que c'était les 24 anciens. Amen. Et parmi les 24 anciens, les prophètes disent qu'il y avait les 12 patriarches. Et il y avait les 12 apôtres. Amen. Frère, écoutez-moi bien. Jean n'était pas le messager du premier âge de l'église qui était Éphèse. Non. Les frères Branham disent que Jean était le seul des 12 apôtres qui était resté en vie. Amen. Et il est mort d'une mort naturelle à 95 ans. Ici, vous dites 95 ans. Amen. Amen. Mais quand Jean est monté dans le livre d'Apocalypse, le frère Branham dit, amen. Jean a village d'Éphèse. Amen. 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 Pourtant, c'était un âge où les messagers étaient Paul. Oui. Paul n'était plus. Amen. Mais Jean voit la première étoile là, amen, d'Éphèse. Mm. Paul était déjà mort. Mm. Mais Jean voyait ça comme au présent. Amen. Je vais vous amener quelque part. Amen. D'Apocalypse chapitre 5. Pendant que Jean s'est posé la question, qui est digne de prendre les livres, d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, une voix est sortie là dans le trône. L'un des 4 êtres vivants a dit, voici. Amen. Il dit, voici les lions de la
digne d'ouvrir les livres, d'ouvrir les sceaux. Les frères Branham dit, quand les lions ont été annoncés, Jean se retourne. Amen. Amen. Ce n'était pas les lions. Voici l'agneau. C'est l'agneau qui était là. Le prophète dit ceci. Jean, quand le livre était ouvert, Jean a crié. La terre a écouté la voix de Jean. Les cieux ont entendu la voix de Jean. À cause de quoi? Parce que Jean avait vu Jean. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean qui n'était pas encore mort. Amen. Parmi les 24 amen. Anciens, amen. Jean regarde là-bas. Amen. Il voit un autre déjà. Jean dit, oh, je suis encore sur la terre, alléluia. Mais je suis déjà au ciel. Comprendre les faits de ça. Mais je le crois. Ce qui nous amène à créer les amens, parce que nous nous voyons aussi de notre côté. Jean, quand il avalait le livre, la voix, amen, de cet ange puissant lui a dit, c'est ce qu'on dit, ne s'étonnez et ne les écris pas. Amen. Mais dans l'entretemps, la personne qui lui montrait ça, le frère Branham dit, c'était cet ange-là d'Apocalypse 29. Amen. Amen. Oh, cet ange-là, amen. Messager. Parce que le frère Branham dit, un ange, c'était un messager. Amen. N'était rien d'autre que William Marion. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lisez les sceaux. Amen. Amen. Chaque pasteur, c'est le mot de Manana avec un livre. C'est la parole. Amen. Amen. C'est écrit. Amen. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? C'est pourquoi je vous dis, laissez à Eliezer de nous présenter l'agneau. Amen. 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 Vous, vous ne connaissez pas Isaac. Amen. C'est vrai. Amen. Frère Madame, quand il a prêché le sceau, écoutez-moi bien. Le prophète dit, amen. Amen. Les sept tonnerres sont révélés. Les sept sceaux sont ouverts. L'église attendait. Amen. Oh là là. Amen. Les frères, madame, les gens ont vendu leur maison. Ils sont partis là-bas, tu te sonnes. Les frères, madame, ils n'ont resté à Jeffersonville. L'enlèvement aura lieu partout. Amen. Il dit, non, frère, madame, on a peur. Il tremblait comme ça. Le frère Branham vient prêcher. Les sœurs commencent à prêcher d'abord. Par Dieu se révèle. Et se cache. Et se révèle dans la simplicité. Oui. Mais qu'est-ce que Branham veut nous dire? Le lendemain, il vient prêcher. La brèche entre les sept âges de l'église. Branham, nous attendons les sons. Il prend Matthieu 24. Il commence à prêcher les sœurs dans Matthieu 24. Amen. Oh. Amen. Il dit oui. Dans Matthieu 24, Jésus parlait déjà des sceaux. Mais c'était autour du livre. C'était fermé. C'est pourquoi vous ne compreniez pas. Ils ont dit, mais frère Branham, qu'est-ce que Jésus a dit ici quand les figuiers bourgeonnera? Il dit, les figuiers ont déjà bourgeonné. Amen. C'est des symboles. Oui. Amen. Les figuiers bourgeonnaient, comment il dit? En 1947 ici. Amen. Les figuiers bourgeonné. Vous voyez qu'il n'y a que les airs qui doivent nous dire. Amen, 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 amen. C'est vrai. Dis, mais frère Branham, Daniel avait dit que quand vous verrez la désolation de l'abomination, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, oh, mais c'est la mosquée. Je ne vais pas citer le nom. Je ne vais pas me lapider. Il dit, c'est ça qui est là. Amen. Frère Branham, c'est vrai, il dit oui. Là, c'était des sceaux. Amen. Amen. Oui. Ils attendaient le septième sceau. Les prophètes arrivent dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Quand on a posé la question à Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ta venue? Quel sera ceci? Jésus a répondu, ni les anges, amen. Ni les fils. Amen. Personne ne les connaît. Seulement Dieu qui est au ciel. Amen. Amen. Amen.
Amen. Mais Jésus, même toi, tu ne connais pas, il dit non. Allons-y. Pas les fils. Mais Dieu sait. Amen. On les mêmes fils. Amen. Un jour, Philippe lui a dit, montre-nous les pères. Et c'est là, Lucifer, il dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne connaissez pas les pères. C'est lui qui m'a vu, a vu les pères. Quand le père est en moi, je suis dans le père, et vous êtes en moi, et le père est en vous. Amen. Le septième saut, c'est le silence d'Apocalypse chapitre 8. Amen. Amen. Parce que Jésus n'avait pas répondu dans Matthieu 24 et 36. Amen. On a prêché le saut en 2 secondes. On peut partir. Amen. Oh non, le septième saut n'est pas vrai. Le prophète dit le septième saut, c'est le jour où le Seigneur reviendra pour l'enlèvement. Amen. Bientôt. Que je vous lise quelque chose. Amen. Frère André, tu permets? Je vais le terminer. Prenez un peu Jean, chapitre 3. Tu peux continuer à jouer. C'est bien, ça fait du bien. Tu joues pour que les gens sachent qu'on a terminé. Parce que quand tu ne joues pas, ça donne l'impression comme si on continue. Jean, chapitre 3. Verset 13 et 26 à 34. Que vous-même vous puissiez comprendre. Amen. La Bible dit ceci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. 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 Personne. Amen. Amen. Monté au ciel, si ce n'est le fils de l'homme qui est descendu du ciel. Amen. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. Lui, le fils de l'homme qui est descendu du ciel. Et il est aussi dans le ciel. Selon les prophètes, il dit que Jésus vivait dans un monde de foi parfaite. Amen. Il était ici sur la terre. Amen. Amen. Dans la prédication, le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous, le prophète dit, si tu es un véritable chrétien, tu n'as jamais eu de commencement. Amen. Amen. Le frère Branham dit, quand Adam était en Éden, il dit, moi Branham, j'étais avec lui. Oui. Oui. Le mont Carmel, il dit, moi aussi, j'étais avec lui. Amen. 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 J'étais dans ma maison en train d'écouter cette bande de Dieu Tout-Puissant. J'ai senti une onction. Pendant que le frère Branham prêchait cela, j'ai mis une pause. J'ai dit, Seigneur, je vais comprendre de plus. Amen. Branham, il veut seulement dire, pour s'identifier, quand je remets la bande, allez écouter. Il dit, je ne suis pas parlé du parle à parle. Il dit, je sais de quoi je parle. Amen. Donc il était là. C'est là où le prophète. Que je termine seulement. Au verset 26 à 34, les frères de la parole de Dieu dit ceci. Amen. Amen. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean lui répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, et qu'il entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est là, la mienne n'est pas faite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est lui qui vient d'en haut et
est au-dessus de tous, c'est lui qui est de la terre et de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. C'est lui qui a reçu son témoignage à certifier que Dieu est vrai. Car c'est lui qui, que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. À la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demain pour lui. Nous allons nous lever. Dans les sceaux, le frère Manam m'a dit, je garde cela dans mon cœur. Il dit, je partirai, je mourrai, et personne ne le saura. Parce que il avait une responsabilité. Si lui il a montré les livres d'Apocalypse à Jean, donc lui devait comprendre tout ce qui était là. Un professeur est plus qu'un élève. Le professeur est plus qu'un élève. C'est la matière. C'est vrai. Il a la matière. Branham connaissait les jours de l'enlèvement. Amen. Pardonnez ma folie. Allez lire dans les sept sceaux. Il dit, je garde cela dans mon cœur. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, le septième sceau n'est pas ouvert. Mais le septième sceau, c'est Matthieu 24 et 36. Les jours-là, ni les fils sur la terre ne le savaient. Ni les anges. Mais Dieu seul le savait. Oh, Jésus est Dieu. Parce que Jean dit, c'est lui qui est du ciel. A entendu et vu. Mais il n'a pas voulu le dire aux disciples. Et le même esprit d'Abraham. Dieu n'a pas voulu que Abraham nous dise que l'enlèvement sera en 2022. Amen. Sinon, tous les rétrogrades. Amen. Le prophète dit dans l'Apocalypse 8, Dieu ne voulait pas parler pour que même Satan ne puisse pas écouter ça. Que les anges puissent arrêter d'adorer. Dieu était en train de parler à un homme sur la terre. Amen. Amen. Vous ne voyez pas? Amen. C'est pourquoi soyez fiers de croire à ce message. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Branham. Nous allons prier. Si tu as un problème qui te dépasse, lève seulement la main. Si tu veux même venir compris pour toi, ce n'est pas une ligne de prière. Tu peux aussi t'avancer. L'agneau aujourd'hui, c'est le message de l'air. Tu veux que Dieu puisse t'aider. N'aie pas honte.